啊，这个句子是我是干过老师，那这个句子我们不知道我是什么系列，是什么系列，干过是什么系列，老师也是什么系列，不知道。那不能说我是，不能说我干过，我老师干过，不能说我老师干过，我老师。 我老师干过，不能说我老师干过，这个是主句，不对的。那这个是一个是对的，我是干过老师，也可以说我干过老师。为什么我干过老师？因为我干过老师是名词结构，主语。那现在你们还不知道主语是什么，谓是什么？那现在开学学什么？ 学什么？学习语法课。语法课就是复习，我们来复习。我们学过这个句，这个课。语法课，我们先开始语法术语。语法术语呢？语法术语有什么？语法术语有肯定、否定、疑问，还有句子。句子有讲述句，肯定句、否定句。 疑问句，那疑问句呢？这个句我学那个句子是，我是干过老师，不知道是什么样的句子，可能是疑问句，可能是肯定句，可能是否定句，不知道。现在我们想知道这个句子应该学习语法课，那么学了语法课。 那个应该知道语法术语是什么？还有除了语法术语，我们有系列。现在我们开始学语法术语。语法术语我们有，我刚才说了有肯定、否定、疑问，还有句子。句子有讲述句、疑问句、肯定句、否定句。现在我们开始写。 肯定，这是肯定，还有否定。 三，我们疑问，疑问四，句子，六，我们要讲数据。 讲述句，句呢？肯定句。第八个，有否定句。 第九个疑问句。
一文字，我们都学了这个语法术语，现在就是复习课。我们学了全部的语法术语，现在就是复习课。还有什么？还有那个一系列。 系列有什么？系列有什么？系列有名词，系列有名词。那现在，系列有名词。现在我是刚果老师，系列有名词。 最后就是写这个部分，写系列这个部分，一、十、系列。好，你们看这个句子，先开始我写了，我是刚果老师，不知道。 我现在可以问，我是什么系列？是什么系列？刚果是什么系列？老师也是什么系列？现在我们来就是复习吧。好了，第一个名词、动词。 形容词，代词，副词。 副词、量词、数词、主词。 主词、量词、介词、介词、感叹词。 还有，思维。好，现在我们来写这个语法术语。 是复习课，那
yu fa shu yu yu shama yu kending, fo ding, yi wen, chuze, chuze yu shama yu chang shu ju, kending ju, fo ding ju, yi wen ju, hayo yi si le, si le yu shama ming si, dong si, sing rong si, dai si, fu si, liang si, shu si, zu si, lian si, jie si, gantan si, ayo xiang xiang si, si to si wei. Na, ni men kan zhe ge ju zi. Wo men gan zai xie sui si yu fa ke, yu shi lai fu si yu fa ke. Zhen zai wo ke yi wen ni men, wo shi shen me si le? Shi shen me si le? Gang wo shi shen me si le? Lao shi shen me si le? Na, wo men ju shi xie dai si, a, dai si, na, ken ding, fa yu shen me yi si, ken ding fa yu shuo affirmation, fo ding, fa yu shuo negation, yi wen, fa yu shuo l'interrogation. Alors, choose, fa yu shuo la phrase, chang shu du, la phrase énonciative, ou soit la proposition énonciative, ken ding ju, la phrase affirmative, fo ding ju, la phrase négative. I wen ju, c'est la phrase interrogative. Alors, ici là, ming si, c'est pour dire le nom. Tong si, c'est pour dire le verbe. Sing rong si, l'adjectif. Tai si, le pronom. Fu si, l'adverbe. Liang si, le spécificatif. Ou soit le classificateur. Shu si, l'adjectif numéral. Zhu si, la particule. Lien si, la conjonction. Jie si, la préposition. Gantan si, l'interjection. Alors ici, xiang xiang si, c'est pour dire l'onomatopée. Alors, si to, c'est pour dire suffixe. Alors, si we, le préfixe. Alors, ni men la kan zhe ge ju zi. Xian zai, wo, wo men gan, ne ge xie tai si, hayo tai si de xiao li. Il y a ming si de xiao li, il y a zhu si de xiao li, shu si de xiao li, il y a. Maintenant, ni men kan, wo shi, tai si, pu ti dao shi shenme yan de tai si. Shi, maintenant shi ming tong si, gang wo shi ming si, lao shi ye shi ming si. Na, wo men gan zai yong han yu shuo hua, maintenant wo jiang yi jiang yu shi shuo fa yu. Wo, c'est pour dire c'est un pronom. Shi, c'est un verbe. Kango, c'est un nom. Laoshi aussi, c'est un nom. Donc ici, on a une construction nominale. Donc le verbe, le pronom. Mais on ne sait pas c'est quel type de pronom ici. Alors, nous allons étudier. On doit d'abord commencer par Ming Si Da Xiao Li. Donc, dans le nom, il y a encore les éléments employés comme nom aussi. Donc, raison pour laquelle on dit Ming Si Da Xiao Li. Non, Ming Si Da Xiao Li. Ah, Ming Si Da Xiao Li. Alors, Ming Si Da Xiao Li Yu Shen Ma, Yu Shi Jian Si, on a l'aspérisme, Shi Jian Si, Shi Jian Si, Yu Chu Suo Si, Chu, Chu Suo Si, Yo Fan Wen Si, Jie Shi Ming Si De Xiao Li, Ayo Tong Si De Xiao Li, Tong Si De Xiao Li.
动词的省略有什么？动词的省略有 具象动词 具象动词 有能源动词 代词的省略有什么？有人称代词、指示代词，还有疑问代词。人称代词。 指示代词。 就是代词，疑问代词，我觉得就是副词课，我们可以继续讲疑问代词这个部分。那现在我可以查这个就是副词课，我们学过所有的语法术语，就是副词课，那你们应该看看，应该知道怎么开始。现在语法术语。 有肯定、否定、疑问、句子、讲述句、肯定句、否定句、疑问句，还有系列，系列有什么？有名词、动词、形容词、代词、副词、量词、数词、主词、量词、解释、感叹词、想象词。 许多思维，这个是名词的省略。名词的省略有什么？有事件时、住所时、方位时。那这个是动词的省略，有什么？具象动词、能源动词。啊，下边是代词的省略，有什么？有人称代词、指示代词，还有疑问代词呢？这边有。 可以再就是代词的效率。好，代词的效率有疑问代词。 疑问代词，还有什么？还有主词的省略。啊，主词的省略有什么？有。 有机主食、结构主食，还有动态主食，啊，有机主食、结构主食。
东代主持 那, 还有数十的小列 数学的小列有什么？有奇数，还有素数。 好，啊，多是语法术语，我们来复习语法术语。现在你们看这个句子，先开始写了这个句子，我是刚果老师，我是刚果老师。好，现在我可以知道我是什么系列。 是什么系列？刚果是什么系列？老师也是什么系列？那我们看名词的小列。好，那就是看代词的小列。我是人称代词，代词的小列。那是动词，刚果是名词。 老师也是名词，全部做名词结构。现在我们还不知道怎么分析这个句子。好，<咳>那我翻译翻译这个句子，我们学过那个名词是，就是说 no 动词 verb。 形容词 adjective 代词 pronoun 副词 adverb 量词 ça veut dire spécificatif 数词 adjectif numéral 主词 particule 量词 pour dire la conjonction 介词 c'est pour dire la préposition 感叹词 c'est interjection 形象词 onomatopée Cito, c'est pour dire préfixe, siwe, suffixe. Alors, ming, si, de, siole, ce sont aussi les éléments qui sont employés comme les noms. Ce sont aussi les noms. Alors, ici, shijian, c'est pour dire le mot marquant le temps. Tu sois, le mot marquant le lieu. Alors, fanwe, c'est le mot marquant indiquant la position. Alors, ici, on a tong, c'est de siole. Donc, ce sont aussi les verbes. Tu siang tong si, donc verbe de direction. Neng, yuan tong si, ce sont les. Ici, on a les verbes optatifs. Donc, ces verbes optatifs ici, c'est pour aider les autres verbes à être conjugués. Et au fur et à mesure, nous allons connaître comment les employer dans une phrase. Alors, on a tai si de xiaolé. Donc, tai si de xiaolé, on a quoi? Comment y a-t-il? Y a renteng taise. Renteng taise, fais chamaï, c'est du chicho. Renteng taise, c'est un pronom personnel. Alors, dishi taise, pronom démonstratif. Iwen taise, pronom interrogatif. Ah, ayo, zousi da siaule. Zousi da siaule, y a-t-il? Y a-t-il zousi pour dire la particule modale avec ma? Diego Zusu, la particule structurale, pour dire avec la, go, de, il y a aussi go, de, oui, ce sont les particules structurales,
Alors, non, ici, dans la partie structurale, ici, c'est d'abord, on a les 3 2 d'abord. On a 2. On a ces 3 formes de 2. Et on a ces 2-là. Ça se prononce 2. Alors, c'est dans ton cas d'ici, c'est la particule d'aspect. Il y en a 3. Il y a le, go et the. The. Alors ici, c'est la particule modale. Dans la particule modale aussi, on a... Je mets ça entre griffes. Dans la particule modale ici, on a... ma. On a... ma. On a la. Le. On a... ne. Ce sont là les particules, on a ne. Ce sont les particules modales. Alors ici, tong ta djoussi, dans tong ta djoussi, ici on a quoi? On a le. On a go. Et on a de. Ce sont les tongtai zhusi pour dire la particule d'aspect, la particule structurale et la particule modale. Donc, ici, la particule structurale, on a ces 3 deux, et la particule d'aspect, on a le, guo et zhe. Dans la particule modale, yutu zhusi, en chinois, yuti zhusi, ma, le, ne. Ça, ce sont là les éléments de la particule. Donc, d'où c'est de Xiaolé. Alors, ici, on a chou c'est de Xiaolé, yo chanois, yo jishu, ayo sou chou. Jushisho, jishu, jushisho, l'adjectif ici, c'est dans ce sens le nombre cardinal. Alors, ici, c'est le nombre ordinal. Donc, chou sou, ce sont le nombre ordinal et jishu, c'est le nombre cardinal. Donc, dans notre phrase, ici, c'est que tu dis, wo shi, kang wo lao shi. Je dois encore donner une autre phrase pour expliquer les éléments. Ça, c'est liru. Ça, c'était l'exemple numéro 1. Alors, Ag Liru Tazai Kongzi Sui Yuan Tazai Kongzi Sui Yuan Sui Si Sui Si Han Yu. Alors, on met la juste foussi, foussi, yu fashu yu. Na yu fashu yu, on met si un show, kending, kending, foding, yuan, choose. Choose yu, c'est le mot, yu, tiangshu ju, kending ju, yuan ju, foding ju, ayo sile. Si un zai, dès que choose, si chemin de choose. Faut dire, rugo si. Foding ju, rugo si, kending ju, on met hai puti dao, hame sui, zeke poufen, ju si shuo. Ju si shuo, zeke tu ze si, kending ju. Alors, zama gai bien zeke tu ze, du si gai, du si show foding du. Ok, show di ke show ta pu zai kong zi sui yuan sui si han yu.
好，打破在工资学院学习汉语解析否定句。解析否定句，那肯定句呢？肯定句就是提问，说他应该知道，就是什么工资学院系名词的小列住所时。 En français, c'est pour dire le lieu. Maintenant,现在我们提问，就是说什么？他在哪学习汉语？他在哪儿学习？ 汉语啊，他在哪学习汉语？现在这个是疑问句，为什么是疑问句？我们来提问，就是说应该知道他在什么地方学习汉语。 他在哪学习汉语？那这是否定句。否定句，我们就是来复习这个语法术语。先说否定句，这是肯定句，肯定句否定句疑问句。那这个句子，那个所有的字，所有的词，有那个意思。 现在可以说，可以问，我们想知道，他是什么系列，在是什么系列，工资学院是什么系列，学习是什么系列，啊，第三个句子，不是什么系列，我们刚才说他不是什么系列，那个哪是什么系列，好了，那我们就是说他，我们看。 代词的小列，它是人称代词 ，donc c'est pour dire que nous ta c'est un pronom personnel. 那工在是什么系列？在不知道，在是动词还不知道，还有在还有学习不知道在做什么里面的句子，那也可以解释，那。 我们问现在在是什么系列？我们看在是介词里面的句子在是介词做什么？好了，在有一个在和工资学院全部做一个结构叫接宾结构。现在在是介词。 工资学院是它的宾语，那 donc entre zai et 工资学院 le zai ici est employé comme préposition. Alors 工资学院 c'est le nom employé comme complément d'objet de la préposition zai. Donc raison pour laquelle ici zai crée une construction prépositionnelle. Alors on a encore suesi, suesi c'est pour dire Faire ce maïs, c'est juste apprendre. Hanyu, Hanyu, c'est la langue chinoise. Donc Han, donc Han ici, il y a Han et Yu, Yu pour dire la langue, Han comme l'ethnie, donc la langue chinoise. Alors, le D ici crée aussi une construction verbale, donc le verbe et son complément d'objet. Tongbin Diego, ça s'appelle le Tongbin Diego, mais ça c'est juste la révision, on a déjà étudié tout ça, c'est juste la révision. Donc, juste pour vous rappeler que dans cette phrase, le zai ici crée une construction prépositionnelle et par contre, ce hanyu crée une construction verbale. Donc, le verbe est son complément d'objet. Alors, xianzai, on pose encore la question. Ce hanyu, ce si c'est ma sile. On met la can. Ce sile, c'est quelle catégorie de mots?
si les dieux jugent aux catégories de mots, sué si, shi, tong si, ha, na, han yuna, han yu shi, ming si, parce que c'est un nom. Fa yu shu, ming si, sué si, si, tong si, han yu shi, ming si, na, di aga chuse, di sanga chuse, ta, on me dit que ta si, ren cheng ta si, ta si de xiao li, pu shi shen ma si li, pu shen za shi shen ma si li, pu shi fo ding fu si, na wo men si en ka shi shu fo ding, ju shi fo ding ju, shen za pu zo fo ding fu si, a yo fu si, yo fu si, pu shen za zo fo ding fu si,好,你们看。我们已经说了,在孔子学院学习汉语。那这四个句子呢,这四个句子,在哪儿学习汉语,在哪儿学习汉语,在,我们已经说了,这是,现在是哪,法语就是说,où。Pour connaître l'endroit,ça c'est juste une révision。 Ta zaina, donc, là aussi, le zai crée une construction entre. Donc, le zai ici, quelque chose aussi. Et ouen ta ici, c'est un pronom interrogatif. Le zai, c'est un pronom interrogatif. Donc, le pronom interrogatif plus le zai ici crée une construction aussi prépositionnelle. Donc, ta zaina, sué si, hanu, a la réponse ta zai, kongzi sué yuan, sué si, hanu. Donc, il apprend le chinois à l'Institut Confucius. Ta zai kongzi sui yuan sui si hanyu. Juste, on me kan. Na, shi, ye shi, tai si de xiao li. Yi wen tai si. Juste, yi wen tai si, c'est pour dire le pronom interrogatif. Yi wen tai si. Na, c'est ça. Suez-y, on met Tidao. Hanyu y est Tidao. Kao. Na. Ayo. Yu Tidzu si ma le ne. On met juste yung ma wen wen ti. Juste chose ma. Rugo, on met par exemple choose. Yung Yu Tidzu si ma ti wen de choose. Juste chose. Dis où que tu es. Ta zai. Ta zai. Kongzi. Sui yuan. Sui yuan. Sui si. Han yu. On met yung ma. Hanyu ma. Ta zai kongzi sui yuan sui si hanyu ma. Ni me kan. Sui da si le wame ding shou la. Ju si ndege ma. Ma si shema. Si shema si le. Ma si ta si. Ma. Ni me kan. Ma si. Ma si ta si. Si shema yanda. Ma si du si. Ah, ma shi zu si, shi shi mende zu si. On me kan, ma shi shi mende zu si. Ah, ma shi yu ti zu si. Ma shi yu ti zu si. Ha, ma shi yu ti zu si. Ah, na, zhe ge qize, di wu ge qize. Ta zai kong zi sui yuan sui si han yu. Na, sui yu de qize, di wu ge he, di si ge he, di wu ge qize, puti dao. 是什么样的疑问句？如果是疑问句啊，不知道；疑问句三不知道。那现在的四个句子，我们用哪提问，第五个呢用嘛提问的句子。还有我们就是解释解释简单的那个是结构组词，结构组词我们用有第六个句子。
我们的老师 我们的老师 是刚果人 好 你们看, 我们的老师是刚果人 我们 就是来复习吧 我们是什么系列 的是什么系列？老师是什么系列？是什么系列？刚果人是什么系列？那我们先开始看看吧。我们也是人称代词。的是结构主词，老师是名词，名词是动词。刚果人是名词结构。为什么是名词结构？ 刚果是名词，人也是名词。刚果人，刚果就是说我们的国家，人就是说人民。那现在两个就是说刚果人，就是说刚果人发语什么意思？就是说congolais。我们的老师那个是的，这个的是结构主词，这个的是结构主词。 我们的老师是刚果人。那我们就是我们来复习吧。这是复习课，我们学过这个课，就是我们来复习语法术语。那疑问代词，主词的小列，有地主词，结构主词，动态主词。 数十的小列。好，我们来分析，就可以说来分析那个语法术语，还有几条语法术语还没讲过。那现在我们下次来这里，就是讲语法术语。 还有那个讲数据，因为讲数据有讲数据，讲那个是语法，句子成分，还有句子范例。现在我们下次来继续讲课，我们今天的课就是这个，我们进啊，那我给你们一个作业。好，作业 ，donc 作业 c'est pour dire。 Devoir, Zoye. Allô? Zoye, c'est pour dire quoi? Allô, je donne une phrase. La phrase ta mère et l'archi et tu touche au guan.
Alors, ici, c'est pour dire, donc je dois donner la consigne de plus ici pour dire que non, mais c'est tout, s'il est, ah, c'est, c'est tout. Il est mieux de dire chaud et chaud s'il est. Chaud et chaud s'il est. Chaud et chaud s'il est. Regardez le jour. Ah, chaud et chaud s'il est. Ta mère, la roche, il te tue, touche guan, na, aïe, tu as tué. Ce chemin, ce chemin, ce, rien nous lit. Ce chemin, ce chemin nous lit. Le sang. Au Djali. Au Djali. Chungo. Chungo tashi guan. Puyuan. C'est que tu es. Que. Hanzi, Hanzi, c'est de Han Kwai. Que Hanzi, c'est de Han. Laoshi Henzao Henzao de Lai Suisiao. Ah, je suis Zoye, ni me Huija, je suis Zoye, je suis Shoye Shoye Sile. Je suis tout là, tu es un bout de silé, mais que tu es aussi le numéro du si, chou et chouba. Na, j'intègre que tu es, ting zug. Pour dire de, si assis, on met, tu es jang chama, jang, tu es fin lé, tu es fin lé, tu es chang fin, aïe, bien de timou, jang du si, chama jao, ming si wei du, chama jao, tong si wei du. Chamadia, Zoué, Wéju, Chamadia, Singrong, c'est Wéju. Hayo, Nege, Iwenju. Ici, c'est là, tu sais, Janke, Hayo, Hendo, Nege, Timo, Hame, Janwala. Hayo, Iwenju, Iwenju, Hayo, Zhuang Yu. Senza, Wome, tu sais, Wome, Dake, Ting, Zege, Wozu, Taja. 好好学习，再见。